Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Endless Legend. Dans le dernier épisode, on avait affronté les, je sais plus comment ça s'appelle, la peuplade mineure qui nous embête depuis un moment, et on va les achever simplement. Ah, on peut parlementer. On peut tenter. Libérez notre peuple. Le chef de la tribu demande de prouver que vous êtes un allié précieux. Certains frères, des frères de la tribu sont emprisonnés dans une région proche. Sans plus de précision que cela. Trouvez-les, libérez-les et vous gagnerez la confiance de la tribu. Alors, ils sont à Hout. Il faut que je détruise les Drogressi de Hout. Tout là-bas. Drogressi, Drogressi. Ou alors, on s'en débarrasse et voilà, je pense qu'on va faire ça. C'est parti. On a 6 unités avec notre leader. On va la jouer dans ce mode-là. Et c'est mon leader qui va taper, on va dire que oui. C'est parti. Tout le monde tape, mais en fait, ils vont rien pouvoir faire. Il n'y a que mon leader qui va taper. Même chose, non, on va demander à mon leader de reculer. Et on va envoyer. Vous, vous êtes pas blessé, vous allez là. Vous. Vous êtes à peine blessé. Je préférais que ce soit un blessé du genre lui. Allez le chercher. Donc toi. Tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Et toi, c'est pas la peine que tu fasses un truc. C'est parti. On va les avoir un par un du coup. Alors théoriquement, on a pris 27, on fait 31 et on regagne 54, nickel, c'est ce que j'espérais. Donc on en a un nouveau sur place. J'aurais dû mettre tout le monde en attaque que si c'est nécessaire. Ah lui il joue en dernier, oh, il va attaquer. Ah non, il va bouger parce que c'est mon héros qui devrait attaquer. Mettre un gros coup. Ouais. Bon, on va faire ça. Ah, je devrais le laisser approcher en fait. Ah, mais ça va peut-être marcher. Je vais bouger. Et là, il peut avancer s'il veut. Nickel. Alors, c'est à mon tour. Voilà, toi tu restes dans le coin et les autres ne bougez pas. Puisque là on a au lieu d'avoir 1 contre 1, c'est 3 contre 1. On l'a presque tué, eux ils vont lâcher. Et regagner de la vie. Ah malheureusement eux du coup ils attaquent. J'aurais dû les mettre en ne bougez pas. C'est pas gravissime. Reculez, tenez la position, tenez la position, tenez la position. Lancez.
à étape jusque-là. Si j'avais su, j'aurais reculé les autres. Bon. J'ai peur de le one shot. On va dire que c'est pas grave. Eh bien, on la one shot. Ah, il m'attaque. J'espère que je peux contrer. Déjà j'ai paré, c'est pas mal. Et c'est fini. On était au tour 6 peut-être. Mince. Bon, il ne reste plus qu'un harmonite. On va attendre le prochain tour. Ouais, je crois qu'on va pas la prendre cette quête. Et lui il me coûte trop cher à soigner. Pas du tout. Alors, on a nos quatre villes. Je crois que j'avais pas beaucoup de contentement et que c'était un peu un souci. Là, j'ai un boost. Je sais pas à quoi c'est lié. Peut-être au fait que j'ai beaucoup de croisés, ça leur donne l'impression d'être en sécurité. Là, on a tout ce qu'il faut. En ville d'attente. Ici, on fait une tour de guet. Ah, c'est là. Est-ce que j'ai des routes commerciales que je peux faire? Peut-être pas là. Peut-être qu'il faut que je sois... que j'améliore mes relations avec les types avec qui je veux faire des routes commerciales. Par exemple... soit les verts, soit les roses. Je peux pas demander de traité de paix, est-ce qu'il faut une technologie particulière? Peut-être. Alors, transport, je me mets en garde. Les Endless ne sont pas la seule nation à mériter votre mépris. Nous nous redemandons pourquoi Houghton est temps à rejoindre cette longue liste. Ouais, je sens qu'on va pas être copains avec les gens du sud. J'aime bien voir les statistiques des cases de la carte. Ici j'avais reconstruit le village. Ok. Donc droit de passage, je suis pas persuadé que ce soit très utile dans la mesure où j'ai pas de route commerciale. Ah, marché. C'est nouveau ça pour moi. Oh, tout coûte assez cher. C'est pour acheter des unités. Il y en a qui sont pas mal. Hein. Tueur d'archer 4, 6 de vitesse. Bon, c'est un grand classique. Défense pas mal. Dégâts, attaque, initiative. Je sais pas si j'en trouve qui font beaucoup de dégâts. Ça c'est un corps à corps. Bon, serpent. Oh, ça tape super fort.
70 plus un gros bonus d'attaque. J'en ai pas des ronds serpents moi par hasard? Je crois que si. Non. Mais j'en ai découvert, donc il doit y en avoir quelque part sur ma carte. Peut-être là-bas. Dorgassi. Il me semble que je les ai découverts dans ce coin-là. Ah, j'ai laissé des ruines. Stratégie dans 6 tours. Oh bah j'ai largement ce qu'il faut au point. Faut dire mes bonhommes, je les ai mis dans les étoiles. Donc il faut que je trouve un truc à faire. Eh bien on va faire un petit croisé probablement. Sauf si je fais un colon, mais j'ai rien à coloniser par là. Donc on va faire un croisé. Vous, achevez-les. En mode auto. Oh, il a l'air de dire que c'est risqué. Moi, je pense pas. On va le faire en mode manuel. Toi. Non, non, d'ailleurs. Ah, je vais être obligé de tous les rebasculer. Donc, toi, va là. Toi, tu vas là. Toi. Tu recules. Toi, tu recules aussi. Toi, tu recules encore. Toi, tu te mets là. On va se mettre comme ça. Je suis prêt. Tout le monde tient sa position. Il va rien se passer, sauf que lui, il va faire un pas en avant. Sauf s'il reste dans le coin, serait bien embêté. Non, ça va. Il fait un pas en avant. Et ensuite, suce à lui. Alors oui, ça c'était pas tellement prévu. Ah mais du coup, j'espère que lui il a le mouvement qu'il faut pour aller taper là-bas. Bon, ce sera pas nécessaire. 53 de vie. Très bien. Toc 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 toc. Et on a détruit ce village. Qu'on va d'ailleurs reconstruire peu après. On a tous nos déplacements. Où est-ce qu'on irait? Je pourrais aller me battre contre les petits villages. Je pourrais aller explorer cette zone-là. Je sais pas, je sais plus comment on fait pour avoir un deuxième héros. Ghetto ethnique, c'est fini. On a fini le croisé. On peut mettre des armes sur les unités. J'avais oublié. Complètement oublié. Alors, entrer un nom. On va les appeler les unités. Élite. Ah, et ça me coûte plus de marteau. Mais c'est pas très grave. Je serais partant pour leur mettre des belles armes. Oh, on a des beaux boucliers aussi. Barrage sans aiguiser. C'est exactement les mêmes. Ok. Trois de titane.
Je produis beaucoup plus de titane, donc on va plutôt épée à deux mains, sinon ça c'est pas mal. Ça tape super fort. Dans 22, 18, oh, c'est pas ultra fort. 32 d'attaque, 6 de bouclier. Ça se rapporte 10% de vie, donc on va plutôt rester sur l'épée à une main. Armure. Six, 5%. Est-ce que par hasard les casques de palier 2 ils seraient pas mieux? Je pense que si. Et tes bottes. Initiative améliorée. Elle a... C'est pas une unité qui a beaucoup d'initiative, sauf si je vais lui mettre ça. Initiative 32. Pourquoi position élevée? 30% au bonus fourni par une position surélevée. Ah, donc il y a bien des bonus pour une position surélevée. Initiative. Vision, sens visé, ouais. Déplacement amélioré, ça fait quoi? Encore de l'initiative, plus de déplacement en combat. Ah, ils tankent bien, ils font pas beaucoup de dégâts. Ils ont pas beaucoup d'attaques. On pourrait aussi faire des cavaliers par exemple. Eux ils ont plus d'initiative nativement, on va dire. Ah, ils ont des trucs différents. 27 d'initiative pour une lance à deux mains. 18 d'initiative. 27 et 26 de dégâts. 18 et 12. Ça les ferait taper fort. Ah, ça augmente un peu les dégâts, l'attaque en tout cas. Ah, dégâts améliorés. Ouais, je suis pas persuadé que ce soit très intéressant ça. Dernier recours, c'est quoi? Indice de vie perdu pendant un siège sur une ville. Ok, bof. Assassin de faction mineure. Déplacement amélioré. Initiative, plus de déplacement en combat. Et en armes, j'ai déjà ce que je voulais. C'est la cavalerie d'élite, on va dire. Comme ça, mes villes qui savaient pas quoi faire en marteau, on leur faire faire des belles unités. Celle-là, ça prend 5 tours. Celle-là, ça prend 12 tours. Waouh! On va pouvoir en passer du temps à faire des unités. Où est mon armée? Je voulais soigner tout le monde et le héros. Bon, le héros ça arrivera plus tard, j'ai pas encore assez de sous. Les routes sont automatiquement créées entre cités et de régions adjacentes, indépendamment du statut diplomatique. Ça va créer les routes commerciales, c'est ça? Si je me fais sur ma capitale, ça va relier toutes mes villes. Donc ce serait malin. Droit de passage, on va le faire ensuite. Oh, ça coûte très cher. Mouvement, vas-y. Ici j'ai une tour, c'est ça? Je sais plus. Terrain boueux. Oh, mais il y a une structure dessus. Ah, on a fini le labo. Si je dézoome.
Ouais, l'œil, c'est une tour. Mais elle est peut-être pas construite. Non, pas construite, ça donne ça. Ouais, donc c'est bien, bel et bien une tour. Ok. Tu poursuis ton chemin. Là, j'ai 99 de titane et 42 de verre d'acier. Bien assez pour faire de belles unités. On les fera pour les prochaines. Celles que j'ai lancées, on va pas y toucher. Hops. Reprendre. Ok, on a fini le Silic. J'ai de la milice qui a évolué. J'ai 3 miliciens. Je pense que ça augmente avec les citoyens. 3 de population, c'est très logique. Je fais des troupes d'élite. Ils ont moins de vie, beaucoup plus de dégâts et plus d'attaque. Je vais me faire au moins un de cavalerie pour voir à quoi ça ressemble. Oh, ça dure pas longtemps. Est-ce que c'est parce que la ville est super efficace? Ah, plutôt oui. Ok. Est-ce qu'il y a un onglet où je peux voir les sous? Ah, j'ai une ville qui me coûte pour frais de la ville. Ou ouais, après, elle produit beaucoup de science, ça compense. Pour augmenter la population ici. Et ils augmentent les marteaux, bon, pourquoi pas. J'ai éclairci la zone d'ombre. Il y a vraiment de la science et des pièces partout. Science, pièce, marteau. Peut-être que je pourrais me placer par là. Oh, ces deux cases-là, elles m'intéressaient. Et là, on a une ruine intacte. Et on a le rouge en bas. Qu'est-ce qu'ils me font ici? Un croisé tout court? Ouais, j'aurais préféré que vous me fassiez un élite. Même si c'est long. Ou cavalerie d'élite. Le défaut de mes troupes d'élite, c'est qu'elles tankent super bien, mais elles font vraiment peu de dégâts, donc il me faudrait des archers pour aller avec. Comme ça, eux, ils font un front infranchissable, ils tankent super bien, ils font un peu de dégâts. Et les autres, ils font des dégâts. Dans les factions mineures. Donc déjà, on va leur faire construire un truc. On va faire cavalerie d'élite aussi. Cavalier avec un K, bon. On paye 39 en frais militaires quand même. Je pense que je paye un peu pour les unités, même si elles sont stationnées dans les villes. Il faut vraiment que je regagne plus de sous. Plus 10% sur approbation. Marché central. Ouais, ça peut aider. Gloire de l'Empire aussi. Est-ce qu'il y a autre chose? Monnaie impériale. Déverrouiller les sections ressources et réserves du marché. Ok, mais pour ça il me faudra des sous. J'ai pas tellement. Évêque de brume. Unité de soutien. Ah, ils ont rien de spécial. Et ils ont soin de brume. Oh, ça se trouve, ils soignent. Ce sera utile d'avoir des soigneurs à un moment ou l'autre. Sinon, les factions mineures. J'ai un emplacement vide en plus. Donc j'aurai les hunters, ces unités volantes, infanterie, à distance. Ah! Bon, ils font pas beaucoup de dégâts, franchement. Ils tirent à courte distance en plus, ça m'arrange pas tellement. Qu'est-ce qu'ils ont comme avantage? Contre gratuit. Puissance à bout portant, barrage censé viser.
Les ancêtres de cette faction ont été élevés comme des bêtes de garde et de combat. Ils possèdent une intelligence rudimentaire et une grande férocité. Leurs clans sont unis par la force et la peur plutôt que par des liens sophistiqués. Ouais. C'est pas vraiment le truc qui me tente le plus. Y a pas des petits villages. Des centaures. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes dans les régions. Peut-être que je me trompe. Serratan. Ruines intactes. Ruines de temple. Ah, j'ai loupé des ruines, moi, visiblement. Oula! Oh! J'ai cru que j'avais perdu toute ma vision sur la carte. Toi, tu peux aller jusque là et rechercher. Oh, il y a des grosses bestioles là-bas. Qu'est-ce que c'est? Des titreurs de Serratan. Est-ce que c'est des unités à distance? De 3. Eh bien, peut-être que ça peut le faire. Je ferai bien mon colon d'abord. Pour venir. Donc, je pense que je vais pas m'installer là, même si le spot semblait prometteur. Et que je vais plutôt venir m'installer. Je ne sais plus où sont les cases vachement intéressantes. C'est plus bas? Non, c'est pas plus bas, c'est par là, je sais plus où. Bah. Je croyais qu'il y avait des cases très belles. Ah, 7 et 5, c'est ici. Mince, c'est la région d'en dessous. Je peux toujours venir m'installer là. Je suis pas tellement persuadé de l'intérêt. La région d'en dessous, elle m'a l'air plus intéressante. Je peux aussi venir me mettre par là. En vrai, il y a beaucoup de pièces. Il y a des cases qui ont de la pièce, de la science. Et les marteaux. Bref, on va faire deux colons. Ici, on fait un colon. Ouais. Et il a trois croisés pour l'accompagner. C'est très bien. Ici, on fait un colon. Il a personne pour l'accompagner. Ici, on a un croisé qui veut bien rejoindre cette ville-là. Ici, on a un croisé. Ah, je fais déjà un colon. Pour aller où? Je ne sais plus. C'est plutôt au sud par là, donc ça me paraît cohérent d'utiliser les bonhommes qui sont là. Je pourrais aussi m'installer là, théoriquement. Mais je connais pas beaucoup la région et j'y vois pas un intérêt flagrant. Bon, là, il y a un beau spot, à condition de faire une extension. Je pense que je me mets là et je m'étends là. Il y a du titane aussi. En bleu, c'est le titane. Et en. Ça, c'est verre d'acier, je sais plus. Je crois que oui. Je n'en vois pas par ici. Boss. Centaure, vivant guerrier, blabla. Des airs de sel. Il y a une autre anomalie par là. Bon, il y a toujours une option que je vienne m'installer là. Mais je me dis qu'ici, à long terme, c'est plus intéressant. Parce que je vais bénéficier de pas mal de sciences, pas mal de marteaux. Et que je pourrais m'étendre. Je suis pas complètement convaincu de l'intérêt de venir s'installer très au sud. Je pourrais aussi mettre ma ville là-haut en me disant comme ça elle est proche des autres. Ouais, je pense qu'on va rester sur ce spot-là. Tant pis, on ne profitera pas de toute la région. Ou alors en faisant un long détour. On va attaquer ces bestioles-là. Ah, mon leader a plus de vie, donc il se cache, je le comprends. C'est des unités à distance, mais on joue avant elle. On a combien de déplacements? On a 3. Est-ce qu'on n'a pas du boost en combat? Je crois. On va se disposer sur quasiment toute la ligne de front. Genre comme ça. Prêt.
toi, tu vas aller jusque là-bas. Toi, tu vas jusque là. Toi, tu vas jusque là. Pourquoi pas? Toi, tu peux aller là. Toi, bah, les deux spots sont pris. Tu tentes d'attaquer quand même. Toi, bon, les spots sont pris aussi, mais si tu arrives à attaquer, tant mieux. C'est parti. Et il y a mon héros qui vient foutre le bazar. On va l'avoir à ce tour-ci, lui. Moins un, ils sont pas très efficaces. Alors, toi, tu vas attaquer. Toi, tu vas bouger ici. Tu peux attaquer en allant là, par exemple. Jusque là, sur la hauteur. Toi, tu vas... Ou alors, toi, est-ce que tu peux venir jusque là? Ouais. Toi, t'attaques. Toi... Tu vas là, c'est très bien. Toi, t'attaques lui. Et toi, t'attaques lui. Comme ça, tu vas venir te mettre là. C'est parti. Aïe, il me brûle tous mes trucs, mes types à proximité. Hop, achevé. Et achevé. On est à peine plus blessé qu'avant. Tant mieux. Ah, ils m'ont pas l'air de faire beaucoup beaucoup de dégâts ces machins-là. 22 d'attaque, 32 de dégâts. Je suis pas complètement persuadé de l'intérêt d'avoir ce genre de soldats dans mon armée. On peut peut-être les booster avec des arcs ou je ne sais quoi. On a fini la tour de guet. Yes. Alors, vous devez amener votre empire à un nouveau niveau d'industrialisation. Ah non, c'est pas la tour de guet. C'est... Enfin, si, on a fini la tour de guet, mais on a produit 40 unités d'industrie dans l'une de mes villes pendant 40 tours. Périlleuse frontière, ça c'est fait aussi. Alors, la charge d'empereur impose parfois de céder du terrain lorsque les résistances sont trop fortes. Comme les revendications du marquis et de la plèbe, je vais développer l'empire, mais je resterai prudent et attentif. Ok, nouvelle quête. J'essaye de me consoler en pensant qu'au moins la réponse est claire. Les nobles et mes sujets m'ont adressé un ultimatum muet. Je demeure leur roi à condition de placer le marquis à la tête d'une grande ville. L'alternative me verrait chassé du trône, ce qui laisserait les rênes de tout l'empire aux mains du marquis. Croissance et prospérité. Je reste convaincu que si je démontre comment atteindre ces objectifs par des moyens honorables et honnêtes, leur nuisible obsession disparaîtra. Je fais peut-être preuve d'angélisme quant à mes sujets. Mais si je donne pas l'exemple, je crains que nous devenions tous des goules assoiffées de sang sous les oripeaux de la civilisation. Croissance, développement, avenir radieux, voilà de bons messages, mais il faut de la ténacité, de la patience pour les faire entendre. Par comparaison, aspirer la vie d'un être vivant est facile, rapide et agréable. Nous verrons qui deviendra un modèle pour ce royaume. Quoi qu'il advienne de la promotion du marquis à la tête d'une grande ville, mon devoir est de guider le reste de l'Empire et de le préparer à l'avenir qui nous attend. Vos sujets et conseillers exigent que vous placiez le marquis à la tête d'une de ville. Assurez-vous que la ville et l'Empire survivent au règne de cette calamité ambulante. Assignez de Sulouzo à l'une de vos cités pendant 10 tours. Faites progresser un quartier ou un centre-ville au niveau 2. Ok, j'aurai un crématorium de brume.
C'est lui sous l'ouzo? Non, pas du tout. Est-ce qu'il est en train de me dire qu'il m'a filé un deuxième héros? Yeah! Je pourrais vendre mon héros. 10 héros disponibles à la vente, c'est juste là. Oh là 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 là. Ah mais il coûte cher, il va me falloir des tonnes de sous. Il y a peut-être des héros qui tapent loin et qui tapent de loin. Par exemple, lui, il est à distance 3 et qui pourrait booster les autres soldats à distance. Bref, pour l'instant, j'ai deux héros dont lui, Martin de Hildan de Soulouzo, seigneur déchu de niveau 3. Ah, ça coûte cher. Et je ne sais pas à quoi il me servirait. On va l'améliorer. Arbre de compétences. On pourrait, si je le mets dans une ville, autant plus 1 sur terrain avec une rivière. Ok. Réduit les chances de rien récupérer. Bof. Plus 1 sur terrain avec de la brume. Ça m'intéresse. Appliquer. Donc, si par exemple ici j'ai quasiment que des terrains avec de la brume, je suis à moins 9. Si j'affecte Soulouzo, je suis à moins 3. Si je lui file des gadgets, oh, pas mal. Ah, mais ça coûte un peu trop de sous. Quel dommage, quel dommage, quel dommage. Plus 7 sur ville, j'ai envie d'attendre pour avoir le plus 7 de chaque. Est-ce que j'en ai d'autres qui sont intéressants? Dégâts améliorés. Faudrait que je lise en fait. Initiative, la gloire ou la mort, position élevée, déplacement amélioré, plus 1 de science par ville, plus 1 pièces par ville. Ah, plus 1 par citoyen sur ville, c'est mieux. On va le prendre. Donc, on est toujours à moins 3. Ah, peut-être qu'il faut que je les affecte ici. Ça doit être ça. Ok. Est-ce que j'ai encore d'autres choses intéressantes? Non, bon, on va attendre pour pouvoir faire ça. 38 plus 10, ça va le faire. J'ai eu mon nouveau héros. Alors, stratégie de l'Empire, on va booster de ce côté-là. Est-ce qu'on réduit le contentement? Ça va être embêtant. Ou alors je fais ça. Hop. En faisant basculer les citoyens, ça va être plus facile. Colon 4 tours. Je fais 3 colons. Oh là 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 là. Je vais zapper que j'en faisais un là-bas. Hé, qu'est-ce que tu me fais? Je ne sais pas où est-ce que je vais le mettre. Bon, il me reste au moins 3 régions où m'installer, mais. Ah, je voulais m'installer par là aussi. Bah, la région est toute petite, donc c'est assez facile de trouver un spot où s'installer, genre là. Et on va s'arrêter là pour cet épisode, en fait, ça fait déjà un moment. Je vous retrouve bientôt dans le suivant.